apparus en Afrique, les hommes préhistoriques tremblaient de peur au moindre bruit. C'est parti. Tout était à inventer, ils n'avaient pas la télé, il fallait lutter pour la survie. Ils avaient les Cro-Magnons et le Néandertal, ils avaient les Australopithèques. Ils étaient paléolithiques, ils se mettaient des fossiles, ils achetaient de l'Homo erectus au mammouth. Tagadagadagadagada. Ils cueillaient des fruits et mangeaient des racines, taillaient les pierres en forme d'outils. Découvrant le feu, ils arrivèrent peu à peu à mieux lutter pour leur survie. Ils avaient les Cro-Magnons et le Néandertal, ils avaient les Australopithèques. Ils étaient paléolithiques, ils se mettaient des fossiles, ils achetaient de l'Homo erectus au mammouth. Tagadagadagadagada. Touk 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 touk. Ils suivaient le gibier, sans cesse déménageaient, tant qu'ils n'ont pas eu l'idée qu'en plantant quelques graines, on obtient de quoi manger. Y'a qu'à les regarder pousser. Ils avaient les Cro-Magnons et le Néandertal, ils avaient les Australopithèques. Ils étaient pâles, éolithiques, ils se mettaient des fossiles, ils achetaient de l'Homo erectus au mammouth. Tagadagadagadagada. Touk 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 touk. Quand le climat était froid, réchauffé par des fourrures, au fond d'une grotte blottie, certains sont artisans adroits, d'autres font de la peinture, on entend même de la musique et des cris. Et vous faites coucou. Ils avaient les Cro-Magnons